je me suis retrouvé pendant une quinzaine d'années au nord Bénin, dans des villages. Ma première réaction, ça a été, si je veux rentrer en contact avec cette population, il me faut connaître la langue, connaître les coutumes. La langue n'était pas écrite à ce moment-là. Et donc, il faut le vivre au contact quotidien, que ce soit au marché, dans les cours, en partageant la nourriture, en allant au champ parfois. Pour moi, c'était vraiment la première étape de la première évangélisation. Je pense que nous, étrangers, nous n'avons pas tellement d'exemples à donner, sinon un esprit à communiquer, un esprit d'accueil, de respect des autres cultures, parce que là où nous vivions, il y avait des cultures différentes, il y avait la culture Bariba, il y avait la culture Peul, il y avait la culture d'Itambari. Et entre cultures, il y avait beaucoup de mépris. Et je pense que si nous sommes des gens qui permettent aux autres de supprimer ce mépris et d'apprécier peu à peu la culture des autres, au moins au départ de l'accepter, et de pouvoir même vivre avec, je pense que nous préparons l'inculturation. À mon propre niveau, je vais parler de métissage comme une réalité dans laquelle différents éléments viennent ensemble pour apporter le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'un élément nouveau soit né de ce mélange. Vous verrez que dans une paroisse où il y a 4 prêtres, on essaiera au niveau de la SMA le maximum de fois que ces 4 personnes soient originaires de 4 pays différents pour qu'ils enrichissent non seulement les uns les autres, mais les chrétiens avec qui ils vivent. D'abord, nous avons sélectionné 12 prisons au Niger. Dans ces 12 prisons, on a mis une équipe terrain, une équipe de bénévoles qui a une mission de rendre visite aux prisonniers, d'écouter, gagner leur confiance et échanger. Et ça, c'est pour préparer leur réinsertion. Le prisonnier, c'est un homme.
un homme qui est tombé, mais si quelqu'un qui est par terre, qui est tombé, il a besoin d'un coup de main pour l'aider à se relever. Et ce coup de main, c'est notre visite. Les écoles publiques ne fonctionnent plus à cause des grèves, des salaires non payés, manque de moyens matériels. Alors les écoles privées ont trouvé leur place dans un marché qui est assez durcissant actuellement et qui se développe de plus en plus. Toutes les organisations que je vais donc appeler des religions ont leur place. Et on est toujours en Afrique, toujours très accueillant à toutes les nouvelles organisations qui se proposent. Comme ça que les gens de religion traditionnelle ou religion du terroir ont su accueillir et l'islam et les islams et le christianisme et les christianismes. Parler du dialogue, c'est il y a deux choses. Il y a la rencontre entre les autorités, ça veut dire les imams, les marabouts, les prêtres, les évêques et tout ça. Mais il y a aussi la vie de tous les jours. Et je crois que le dialogue, c'est tout d'abord le contact entre l'homme. Et on cohabite ensemble. Et on travaille ensemble. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut connaître l'autre, il faut l'accepter, il faut l'admettre et il faut le comprendre. Et à partir de ça, on peut aller plus loin ensemble. My token twisted, I hope to bring it back. I'm not sure of that. Sweet sensitive whisper. Why isn't there an easy way to say goodbye? Au milieu urbain, on trouve des extrêmes de vraiment, il y a parfois une femme qui peut être fonctionnaire ou bien qui peut être une présidente d'une ONG. Et dans le milieu rural, ben, elle ne quitte presque pas sa case. Donc il y a cet extrême-là qu'on vit vraiment pour l'instant en Afrique. Il y a aussi les sessions, je pense au Bénin, les sessions de femmes qu'on a où on parle de l'anatomie, de l'environnement, de la santé, de l'enfant, de la femme, du couple, où on parle du travail, comment travailler ensemble. You know,
only way to say goodbye. You know that the effect of butterfly, your face down on my head, I hide it with a smile. Les petites communautés peuvent accueillir un peu tous les gens, écouter les gens qui ont un problème dans le quartier, des gens qui n'osent pas aller voir le père parce que la paroisse est un peu loin ou qu'on n'ose pas, mais là, dans la communauté, dans le quartier, la petite communauté là. L'idéal, c'est d'aider tous les chrétiens, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient ghanéens, de se retrouver ensemble parce qu'ils habitent là dans le même îlot, dans la même cour, à se rencontrer et à travailler ensemble, à vivre ensemble, à se comprendre et à se soutenir. Alors dans l'information, j'insiste toujours sur le fait qu'il faut ouvrir deux livres à la fois. Le livre des Écritures où Dieu nous parle, le livre de la vie, là aussi Dieu nous parle. Le livre de la vie, c'est la vie familiale, c'est la vie villageoise, c'est la vie professionnelle. Tous les trimestres, j'invite les catéchistes, mais qui sont des paysans avec leur famille, avec leur champ, je les invite à venir à passer 3 jours dans un centre. Eux qui ont toujours la main à la houe, de les mettre devant une table. Non seulement ils ne reçoivent rien, mais c'est eux qui apportent quelque chose. Pour la nourriture, ils apporteront du maïs, de l'igname, des petites choses comme ça, pour permettre au centre de fonctionner. Ce qui est passionnant, c'est que ces gens qui viennent pour se laisser interroger par la parole de Dieu, eux-mêmes, ils deviennent des missionnaires. Avec femme et enfants, avec 2 enfants en Côte d'Ivoire, sur un projet
qui avait été soumis par un prêtre SMA à la fraternité dans son ensemble. Il avait besoin et d'un travail pastoral et d'un travail sanitaire. Donc la proposition a été faite à la fraternité d'un engagement sur 10 ans. Et nous, on a répondu, ben, on sera le premier couple à y aller. On avait une partie du temps dans un dispensaire et une maternité, et l'autre partie du temps dans les villages pour faire de l'éducation sanitaire. Ce qu'on a remarqué, en tout cas en Afrique, c'est une ouverture des portes, un accueil vraiment d'une grande simplicité. Et on a trouvé que c'était très cohérent avec la vision qu'on avait de l'Évangile. L'engagement ici, au retour d'Afrique, c'était d'être auprès des étrangers, auprès des exclus. Et on trouve que ça a un sens, et que ça a un sens de pouvoir le partager avec des gens qui savent ce que c'est. La SMA est un peu garante de l'esprit missionnaire qu'on veut avoir. Il faut qu'il y ait un équilibre entre notre vie de foi et notre insertion dans la vie de tous les jours auprès des gens, quoi. Certains sont engagés avec des communautés chrétiennes où il y a des Africains. Le fait d'avoir vécu en Afrique nous rend certainement plus proches quant à la sensibilité et à l'expérience pour être avec des personnes originaires d'Afrique et des groupes. D'autres sont davantage engagés dans des activités avec des associations travaillant auprès et avec des étrangers, surtout des Africains, et notamment avec des réfugiés. Pour des activités d'accompagnement, d'écoute. D'autres enfin sont plus centrés sur des actions plus globales, en lien avec des groupes comme Justice et Paix, des groupes de lobbying au plan national, international, au plan européen.